J'aurais envie d'intituler les 3 journées de colloque organisées par l'association Centre Citoyenne par d'un manifeste pour une recherche scientifique responsable à un nouveau contrat entre la recherche scientifique et la société. Je voudrais vous en ouvrir les perspectives. J'ai présidé la Fondation Charles-Paul Mayer pour le progrès de l'homme jusqu'en 2014, et j'ai ainsi accompagné la naissance et le développement de ce qui est devenu l'association Science Citoyenne durant les 10 premières années de sa vie. Et je pense que ces 3 journées de colloque sont véritablement une pierre blanche dans l'itinéraire de cette association, qui marqueront une nouvelle étape. Le 13 septembre 2019 se tiendra la 3e journée de ce colloque, celle au cours de laquelle seront mises en débat les alternatives concrètes à la pratique de la recherche scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui et les traductions effectives de ce que pourrait être ce nouveau contrat entre recherche scientifique et société. De façon significative, je serai absent à cette réunion parce que je serai au même moment à San Francisco pour une rencontre mondiale sur la finance responsable. Et d'entrée de jeu, cela illustre ce qui est ma conviction, c'est que la question de la responsabilité doit s'aborder de la même manière avec les différents types d'acteurs. Deux acteurs majeurs du long terme, d'un côté les chercheurs, de l'autre, les fonds de pension. Comment les uns et les autres assument-ils leurs responsabilités par rapport à l'avenir? Et pour introduire cette 3e journée, je voudrais vous proposer une perspective à long terme, celle de l'histoire de Sciences Citoyennes, et une perspective à court terme, celle des leçons tirées des 2 premières journées qui viendront nourrir votre 3e journée.